avec nous toutes qui merci avec nous toutes qui déjà présents et sur live là nous mêmes tout qui dans Zoom là et m'a dit nous que n'a vraiment vraiment content que nous interagissons après et séance là après panel là et interagir ensemble avec nous poser questions faire commentaires et sur ça que nous pas comprendre ça que nous t'a aimé et juste avant que nous commençons parce que nous avons un sujet qui est vraiment intéressant que nous allons discuter là c'est connecter innovation sociale avec la gouvernance locale mais juste avant que nous commençons et avec sujet qui était moins et mettez en contexte et programme PICLAN qui c'est programme médiateur communautaire c'est un programme qui fait pour jeunes, jeunes qui gagnent l'idée projet, jeunes qui veulent faire différence et dans commune et surtout dans 9 communes dans Grand Nord et programme ça li propulsé par Banche et supporté par IRIC et NED en partenariat avec mairie 9 communes ça yo et permettre moins citer dans commune ça qui c'est Pillon, Milo, Pêche, Valière, Pilat, Pomago, Sainte-Suzanne, Limbé, Balimbé et n'a profité remercier tout et l'autre partenaire qui permettent formation ça qui permettent et projet ça arriver plus loin toujours à travers plateforme yo qui c'est Loup Haïti Choucarilla ça qu'a fait au Cap Ville au Cap et groupe Eco Haïti et Pion Youth Movement et nous vraiment 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 content nous pral parler et nous gagne une personnalité qui pral gagne pour échanger ensemble avec nous sur sujet ça et déjà arrêter connecter ensemble avec nous partager live là et puis si nous avons des commentaires, si nous avons des questions, posez-les en bas live, page et Facebook Benjamin. Et juste avant que nous commencions, et avant que moi introduise et professeur là, et permettez-moi de faire une petite présentation de professeur. Il faut nous dire professeur, c'est vraiment un honneur et pour nous-mêmes, c'est un honneur pour moi-même pour modérer le panel ça et ce sera une discussion sur un bel sujet. Et professeur, c'est Joseph Harold Pierre. Et il est économiste et politologue. Il écrit une thèse doctorale en sciences politiques dans l'Université Nottingham-Trent. Il présente recherche dans l'Université Oxford et Cambridge. Et il a aussi participé comme panéliste dans des forums internationaux en Espagne et dans des pays latino-américains. Et maintenant, il travaille comme consultant en Amérique latine et dans les Caraïbes pour des gouvernements et des organisations internationales. À part le Royaume-Uni, il a étudié en Espagne et en République dominicaine. Il est le fondateur de l'organisation des jeunes professionnels NAPSA, avec pour objectif le développement économique et la consolidation démocratique d'Haïti. Eh bien, professeur, c'est vraiment, vraiment un plaisir pour nous gagner dans le cadre et PIC2A, programme PIC2A. Et côté que Jacques nous a dit tout à l'heure, c'est un programme qui est fait pour jeunes, qui l'a pour encourager et soutenir jeunes qui ont l'idée projet surtout dans 9 communes. Mais tout nous mettez séance à live comme ça l'autre monde tout qui peut-être pas participant direct programme capable participer et ensemble avec nous. Professeur c'est vraiment un plaisir pour nous gagner professeur Aol et juste avant que nous commencions, nous aimer poser question ça. Pour moi dit que essayer clarifier pour nous et concept innovation sociale avec en gouvernance locale, puisque c'est de ça que nous allons parler. Là, nous sommes bien et content que vous commencez avec clarification ça pour nous sur deux concepts ça. Innovation sociale et gouvernement, gouvernance sociale, gouvernance locale. Merci Gladimir Jean, merci pour l'introduction. Moi, je voulais tout d'abord féliciter Banche pour l'initiative ça, parce que tant qu'on nous écrit là, Banche, c'est la maison du pragmatisme. Je pense que c'est fondamental pour nous arriver à atterrir chaque jour plus en Haïti pour gagner information et puis programme pratique ça qui permettent de mieux comprendre la réalité et qui permettent surtout dans côté qui plus loin dans le pays à gagner type d'initiative ça yo. Je pense que c'est un travail extraordinaire à faire là, me féliciter nous pour ça. Pour nous commencer, l'idée pour nous connecter gouvernance locale avec innovation sociale. Nous prenons une démarche théorique, pédagogique, qui
pral mette plat à terre sans ce concept ça. On va même parler de gouvernance locale, on va parler de gouvernance, on va ensuite m'a parler de innovation sociale et bay quelques exemples dans pays et Amérique latine yo avec pays Caraïbes yo. Parce que ça c'est une gros démarche n'a fait là pour aider moun yo et comprendre et aider yo mettre en application l'idée ça. Tout d'abord, qui côté ça qui bail sens ça fait gouvernance là. Ça fait gouvernance ça bail sens, c'est première question pour nous poser tête. Ça qui bail sens c'est que l'État administration publique l'échita avant tout sous confiance. Confiance qui gagne entre population avec autorité yo. Mais confiance ça li a traversé une crise dans toute société sous la terre. M'pa rentrer dans détail qui ça fait confiance entre autorité yo avec société a en crise, nous va pas rentrer dans détail ça. Mais seulement son constat gagne une crise de réduction de confiance de citoyens dans autorité yo. C'est premier bagage. Un facteur qui explique ça, c'est que autorité n'a pas la même capacité ou te gen longtemps pour répondre à besoins citoyens. C'est un facteur qui explique ça. Numéro 1. Numéro 2. N'entend longtemps, citoyens ont attendu toute réponse de l'État. Mais, journée jodi a, citoyens n'ont pas attendu toute réponse de l'État. Mais tout, l'État pa gen capacité pour bay réponse à tout problème yo. Gon série de problème, c'est le marché qui te kon bay réponse ça et qui continue bay li. Gen on série de l'autre problème, c'est ça nous relé en économie les défaillances du marché, c'est secteur public là qui te kon bay réponse ça yo. Même tout rappeler nous les défaillances du secteur public sont beaucoup plus catastrophiques ou sont à conséquence beaucoup plus catastrophiques que celles du secteur privé ou de la société civile. Ça sont pareil qui clair pour monde comprendre. Donc cela veut dire que gain problème secteur privé marché qu'à résoudre, gon série de l'autre problème l'État qu'à résoudre, mais gon série de problèmes et secteur privé pour qu'on tête parle et l'État pour qu'on tête parle pas qu'à résoudre. D'où la nécessité pour nous mettre secteur privé avec secteur public ensemble, c'est là nous tomber dans partenariat public-privé. Et mes bases, fondement, concept gouvernance là, c'est partenariat public-privé parce que grosse série de problèmes et privé et public pas qu'à résoudre li pour côté de paille. Mais partenariat public-privé a au-delà de dimension économique li, li chita li atterri en dans société civile. Atterrissage en dans société civile la signifie qui ça? Li signifie que kon série de problèmes l'État avec secteur privé mette ensemble, mais yo seulement catalyseur, leader qui pral résoudre problème ça, c'est société civile. Et yon dimension spéciale en dans société civile là, c'est ça nous relé entrepreneuriat social. OK? Donc entrepreneuriat social là quelque part li c'est base. Bon, moi même orientation anglo-saxonne nan façon moi bagaille yo. L'autre côté on était capable surtout dans société civile de façon générale. Mais moi nan question entrepreneuriat social là. On série d'entreprise qui fait travail secteur privé te ka fait mais li ma connaît avec intérêt public. Et c'est base gouvernance là. Et l'idée partenariat public privé a constaté nan sommet de la terre qui était fait en 1992 nan Rio de Janeiro. Nan Rio de Janeiro. Donc Brésil nan 1992. Maintenant, Banque mondiale nan commencement année 80 yo, là me parler de partenariat public privé. Mais nan année 80 yo Banque mondiale pral constater un désastre en Afrique. Administration publique, eh bien, yo pral vini avec un nouveau concept, c'est la bonne gouvernance. Il y a tout un texte qui écrit Good Governance, yo pral vini avec concept ça, l'expérience de la Banque mondiale. Eh bien,
concept gouvernance ou bonne gouvernance, là, les Chita sont équipe indicateur. Moi, j'ai fait thèse, maîtrise, moi, en Espagne, à l'Université de Barcelone, pardon, à l'Université Complutense de Madrid, nous font l'autre étude à l'Université de Barcelone, mais ce n'est pas ça. À l'Université Complutense de Madrid, thèse, maîtrise, moi, en Haïti. Donc, bonne gouvernance, là, les grandes séries d'indicateurs qui expliquent. Il y a un indicateur, possibilité pour l'État accompagner le secteur privé. On l'autre indicateur, c'est effectivité ou efficacité décision l'État. On l'autre indicateur, c'est capacité l'État pour le mettre en application de bonnes politiques publiques. Voilà une équipe indicateur qui explique la bonne gouvernance. Donc, mais bonne gouvernance, ça, ligue pour avec l'administration centrale. Parce que ça pour nous connaître, les politiques publiques dépassent et englobent l'administration centrale. Administration locale, là, sont l'autre bagaille. Qu'on y a m'sorti, l'administration centrale, qu'il y a gouvernance, la bonne gouvernance, que Banque mondiale commence avec le concept ça, m'dil ma connaît un partenariat public-privé. Qu'on y est là, m'a pral expliquer nous qui ça, ça veut dire la gouvernance locale. De bout de gouvernance locale, il y a deux concepts qui supposent venir dans tête. Un concept c'est décentralisation, un autre concept c'est capital social. Décentralisation signifie qui ça? Il signifie que l'État sont l'État multiniveau. Tout bagay pas supposé décider en un gouvernement central, en un ministère. Yo, gon série de décisions, c'est au niveau local pour yo prendre. Ça a li gon dimension non seulement du point de vue de la nouvelle gouvernance publique, new public management, non seulement li chita sou ça qui dit que décentralisation sont éléments fondamentaux pour efficacité politique publique là. Mais tout li lié à sa moindia qui c'est capital social. Capital social, son concept, un sociologue politique américain qui c'est professeur Harvard, d'ailleurs qui était doyen faculté et l'école de gouvernement Harvard Kennedy School, qui était doyen l'école ça. Mais c'est lui qui vient avec concept ça, capital social. Ça qui peut être capital social, là, vous l'avez dit. Capital social, là, j'en pour nous dire là, c'est interaction qui gagne entre différents individus d'horizons divers et tout, entre surtout différentes communautés. Ça qui intéresse, là, ce n'est pas individu, c'est les communautés. Eh bien, non, provinciaux, non, au niveau de l'administration territoriale et locale, communauté yo piti et yo gen capacité d'interaction. La facilement de rentrer dans un concept un sociologue allemand utilisé, c'est Ferdinand Tönnies qui parlait de société avec communauté. Société, c'est l'indifférence tant qu'au Port-au-Prince, moun yo yon vive à côté l'autre, mais yo est différent, yon pas contre l'autre. Mais concept communauté a pour Ferdinand Tönnies, un sociologue allemand, li pral di en dans communauté a pas gen indifférence ça, gagner un rapport même d'affectivité qui développe dans mitan moun yo. Youn kon lot, youn préoccupé pour lot. En Haïti, catégoriquement, nous te ka di c'est concept la koua. Donc, problème qui pose, il y a toute théorie qui explique crise, parti politique, crise société à travers globalisation, mais nous-mêmes, nous gagnons une possibilité pour nous résoudre problème ça à travers communauté locale yo. C'est ça que fait ou pral joine gouvernance locale la pral développer parce que yo wè que problème yo au niveau central yo pa ka résoudre. Donc nous atterri avec yo pendant que nous baille nous déconcentrer yo nous fait yo au niveau local mais nous baille autorité locale yo pouvoir tout pour accompagner communauté yo laisse ça nous fait décentralisation. Donc moi dit li gouvernance locale la li chita sous décentralisation pour baille autorité locale yo pouvoir li chita tout sous capital humain, pardon, capital social qui permet différentes communautés yo mettre tête yo ensemble pour yo dialoguer
avec autorité yo et les ça yo pral produit ça nourrir des valeurs publiques. Et là OEA a tout un programme que le développer que me participer là-dedans, c'est un programme qui est le gouvernement ouvert. Et mais gouvernement ouvert là, l'ichita entre autres choses sur des données ouvertes, mais l'ichita tout sur la participation et la collaboration surtout au niveau local. Qui donc toute organisation internationale yo tout travail qui fait du point de vue théorie montrer que importance et gouvernance locale là ça veut dire que collaboration entre autorités publiques locales yo avec communauté yo que ce soit société civile que ce soit des entreprises sociales qui mettent tête yo ensemble qui résoudre yo problème côté que c'est pas autorité locale là qui décide seulement c'est un dialogue entre autorité locale là avec entreprise et sociale ça yo avec l'autre organisation société civile qui pense problème là et là ça gros explication anthropologique qui dit que la meilleure méthode qui a bon résultat c'est bottom up. Ou commencez en bas avec ti communauté yo, on mette yo ensemble, c'est yo pral ba ou résultat pouvoir central la pral ba ou et pouvoir central la pral bénéficier de ça et les ça nous pral augmenter code de confiance qui gagne en dans société yo. Voilà et qui j'en pour nous comprendre question gouvernance locale là. Alors on vient parler gouvernance locale là, m'expliquer qui côté le sorti, qui ça général, mais qu'on y est là nous pral parler de l'autre bagaille qui fondamental, c'est innovation sociale. L'aime fin parler de innovation sociale là, m'bral connecter avec expérience latino-américaine et caribéenne. Voilà. Innovation sociale. Il clair. Et là nous dit innover, tout le monde connaît ça, ça veut dire. Innover, c'est une plus grosse capacité qui dit au monde ou intelligent. Vous avez une pile connaissance, mais est-ce qu'on gagne cette capacité créatrice? Une capacité pour créer. Ou une capacité pour venir avec des choses nouveaux. Ou une capacité pour simplifier et méthode, processus pour nous résoudre le problème. En fait, c'est ça l'innovation. Si on est là en dans toute entreprise, si on va essayer de développer, c'est pour y gagner un département d'innovation, de réflexion, ok? Pour y être capable de simplifier bagaille et pour y être capable processus pour y être plus compétitif, ok? Innovation sociale là qui s'allie lui-même, innovation sociale là, c'est une nouvelle approche ou bien deux nouvelles approches qui vient pour avec dans rapport avec gouvernance locale là qui gens nous poser problème yo gien un problème là après résoudre un problème social gien problème dans c'est youn j'en poser son l'autre en nous ta dire dans communauté gon problème d'eau en dans communauté gon problème route en dans communauté gon problème l'école qui pas adapté parce que on a grave problème dans pays d'Haïti. Non seulement Port-au-Prince, s'il pose Port-au-Prince, nous pas besoin de poser tête nos questions. Comment le poser dans toute commune, dans la commune nord, dans la commune sud, qui j'ai un problème ça à poser. Gon problème, l'école qui va adapter. Nous voulons résoudre le problème ça. Et mais pour nous résoudre le problème ça, faut que nous commençons, qui nouvel processus nous pral mettre en application pour résoudre li. Et m'de kababdil, n'a pensé à travers Santa Carile Occam's Razor ou la navaja de Occam en espagnol en français c'est le rasoir d'Occam qui ça veut dire un processus qui simple qui clair que monde ka apprendre bien vite c'est ça nous relé innovation sociale là qui j'ai pour poser problème yo de façon simple mais c'est tout d'abord participation tout acteur nous dit yo dans cadre gouvernance locale là participation acteur ça yo hein et deuxièmement innovation qui pourrait agent nous poser problème non et innovation en tout gain pourrait à type de coopération nous pral développer j'en poser problème dans c'est une mais type de coopération nous pral développer entre différents acteurs yo
Parce que ce n'est pas même bagaille. Et magistrat vient, il dit voilà, point 1, point 2, mais qui j'en voulais faire. Bon, depuis tomber dans ça, nous, on pas dans la gouvernance, parce que nous définissons la gouvernance qui s'allie, un rapport horizontal entre les différents acteurs. Donc, gouvernance locale, là, magistrat dit non, mais qui j'en voulais faire, mais fort magistrat, il y a un training, il y a une formation, il y a une culture qui pour faire comprendre la nécessité de gouvernance locale, la participation acteur. Donc, quel type de coopération nous allons développer? Est-ce que son coopération, est-ce que tout le monde va l'écrire sur papier? Est-ce qu'on a utilisé WhatsApp? Est-ce qu'on a utilisé Facebook? Quel type de coopération, qui méthode, qui mécanisme on va utiliser pour coopération ça? Pour gagner la culture, beaucoup plus simple, beaucoup plus efficace. On dit deuxième caractéristique, innovation sociale là. De parler tout d'abord de qui je ne pose problème yo, deuxièmement qui type de coopération, qu'on y a un troisième point, mbabay de l'autre yo, un troisième point qui fondamental et sans lit, nous pas cal aucun côté, c'est pas sans raison, la Bible a dit avant toute bagaille, parole là t'existait et parole là c'était mon Dieu. La communication. Communication, li clé. Li fondamental nan zafè innovation sociale. Genyen communication traditionnelle, mais gon l'autre communication, c'est ça les communications stratégiques. Communication, nan communication traditionnelle qui sont fait. Eh bien, ou voyons spot nan radio, ou kampe ou font conférence, ça c'est innovation traditionnelle. Maintenant, innovation stratégique là, fòk moun yo participer en dans processus là pour yo dire qui méthode cap pi bon, est-ce que c'est affiche, est-ce que c'est WhatsApp, est-ce que c'est Yundi lot, qui méthode cap pi bon. Les moun nan participer dans processus de communication hein, li senti que c'est l'idée le cap atterri et tout travail qui fait dans anthropologie sociale qui dit que pas de pi bon façon pour réaliser un projet avec yon moun les li de moun nan participer dans projet a. Qui donc se joint qui méthode nous pral utiliser en dans travail ça yo pour et nous innover du point de vue de la communication. Donc moi dit innovation hein li gen pour ouais avec moi expliquer qui ça lié se joint l'autre méthode simple l'autre méthode efficiente et pour nous résoudre problème yo et li gen pour ouais avec qui jeune pose problème yo li gen cher pour ouais avec type de coopération qui établit entre les différents acteurs. Et finalement, qui type de communication nous a mis sous pied? Qui nouvelle méthode n'a pensé? C'est ça nous avons avec innovation sociale. En résumé, nous disons sa gouvernance, il a commencé avec la Banque mondiale qui pensait parce qu'elle avait tout problème qui vient en Afrique. Et living lycée un élément nan ça y aurait le new public management la nouvelle administration publique lycée nan causé ça et il connecté il y a des indicateurs que me parler de yo il connecté avec gouvernance locale parce que yo réalisé que problème confiance qui pas résolu de niveau national là qui résolu de niveau local et me dit qui Jean Lili avec innovation sociale. Et avant de passer à Baraye Amérique latine, il faut moins dire nous tout. Naturellement, moi, je suis d'orientation anglo-saxonne, ou du moins, c'est dans la pensée moins. Eh bien, pays qui commence avec innovation sociale, là, gouvernement Obama, eh bien, il gagne un bureau d'innovation sociale et de participation citoyenne, gouvernement Obama. Et David Cameron, qui était premier ministre britannique avant Brexit là, un meilleur contexte en 2009 qui relait The Big Society. The Big Society, là, c'est là nous dit société civile là qu'on y est là, il y a un rôle fondamental pour jouer dans la transformation société. Là. Ok? Donc, c'est The Big Society, là, non seulement son texte, comme l'a dit l'autre fois, c'est un programme tout gouvernement britannique là, gagné, qui a pour avec innovation sociale. Canada a gagné au ministère de développement social et de réduction de la pauvreté. Donc, qui ça veut dire? Et tradition anglo-saxonne, non? Li comprend importance société civile là, li comprend importance entreprise sociale yo, li comprend importance décentralisation hein? Et en conséquence, li comprend importance innovation sociale là. Bagay ça en Haïti, li fondamental pour nous faire yo, c'est nan cause pour permettre pays ça développer parce que situation très très complexe en Haïti. Si nous pas aller résoudre problème yo timoso pa timoso problème nan trois
complexe, nous pas ka résoudre. Donc cela veut dire que dans tout pays Amérique latine, yo, Haïti c'est pays qui a plus besoin et renforcement de la gouvernance locale et aussi question innovation sociale là qui pral aider nous résoudre yon pi gros problème nous gen dans pays d'Haïti qui bloqué nous depuis tout en temps, c'est question confiance là. Parce que depuis nous bail bon genre résultat, n'a pral gagner question confiance là. Texte 2009 que OCDE écrit, côté le bral montré très clairement. D'ailleurs, que j'ai développé aussi dans ma thèse, et chapitre 3, côté le bral montré le rapport positif qui existe entre la performance démocratique et les résultats des politiques publiques. Même dit nos politiques publiques là au niveau global là, national là bas problème et mais pour nous atterrir en nous commencer dans base là dans gouvernance locale là voilà donc en fait c'est ça comme cadre conceptuel de question gouvernance locale et innovation sociale qu'on y a là en nous font parler de quelques petits programmes qui développés dans pays Amérique latine combien t'en parler là Gladys même bagat t'as parlé toi là non non jusqu'à présent là on gagne environ 15 minutes de ça. 15 minutes, on va parler 5 minutes encore pour nous après ça on grave en question. Oui, et on a profité dit mon qui a suivi live là tout que est capable poser question en bas live Facebook, c'est-à-dire page Bange là. OK. Bon, qu'on y est là quel programme qui développé? Salvador. Salvador, mais pour on parler ça son clé. Nous là nous gagnons série de commune que n'a pas accompagné dans le Grand Nord, Salvador, développé ça y aurait les la Man Comunidad, Salvador développé ça. Eh bien, République Dominicaine y a développé même barre là. République Dominicaine, toute mairie dans sud, y a dans Grand Sud, eh bien, y a gagné ça nous relé on sort d'association qui plus qu'une association parce que y a des décisions que y prend entre yo. Et c'est pas seulement ça nous t'est capable les une association non pour réunir non gagner des programmes qui ont développé dans toute région ouan yo fait ça République Dominicaine yo fait ça Salvador mais pays yo apprend en pile de développement gouvernance locale faut moi dire ça Espagne c'est un pays qui développé pareil ça en pile surtout dans état autonome de Barcelone. Donc, qui développait ça en pile, qui développait budget participatif. Et c'est là, Brésilien, yon pral apprendre en pile, nan men yo, nan spécialement, yon ville, tanko, Rio de Janeiro. Mais, an nou rete nan Man Comunidad, la, type association, entre guillemets en français, toute traduction est trahison, comme dit l'expression italienne, toda traduzione sono traizione, comme dit l'expression italienne. Donc, ça veut dire. Et ça nous est qui développe Salvador, ça nous est qui développe République Dominicaine, qui gens yo organisent et mairie non zone par exemple le Grand Nord en Haïti, yo gagne des programmes, c'est pas seulement une informé l'autre, mais yo gagne des programmes de développement. Cela veut dire que son développement régional qu'a fait spécialement à travers programme local yo. Et bien chaque gagne pour ouais ou gagne pour et réaliser projet ça me pour me réaliser fort souvent son même projet donc c'est ça y aurait les Man Comunidad en au Salvador en République Dominicaine que yo apprendre dans main espagnol yo qui programme qui développé par exemple qui bail bon genre résultat quel programme qui développé qui bail bon genre résultat ou gagner Al Gramo Chili son programme qui développé et qui sa programme ça t'a fait yo t'ai réalisé par exemple c'est que bon série de communautés Chili eh bien moun sa yo pas gagnen bon série de produits qui pas disponible pour yo les sa yo obligé aller bien loin pour yo gagne produit ça et mais qui ça t'a impliqué nous déjà connait ça implique des coûts de transport etc. Donc pour l'opportunité si nous voulez qui fait bagaille devine beaucoup plus cher pour yo eh bien ou pral joindre par exemple à travers mairie et ensuite organise entreprise sociale et ben yo pral commencer yo vinn joine une possibilité pour yo rapprocher produit ça yo à travers établissement magasin etc., et boutique
pour moun yo te ka gen accès à produit ça. Donc un problème qui posé qui posé, eh bien autorité locale yo avec et entreprise sociale et organisation de civile posé problème non et yo joine une solution à ça. Bon yon exemple et programme ça son programme qui si tellement et bay bon jan résultat li prend yon prix de venture li prend prix ça donc ça son programme qui développé Chili. L'autre programme par exemple gen l'autre programme qui développé gen programme qui développé Équateur. Équateur gon programme yon programme qui développé nan zone Cotopaxi. Programme ça li développé et men c'était nan l'idée pour yon wè qui gens yo ka résoudre quelques problèmes et environnemental. Eh ben en ouais en Haïti tout problème environnemental nous gagne yo qui partenariat ka développer entre gouvernance entre autorités locales yo avec organisation sociale yo eh ben qui pral ban nous dans l'esprit innovateur bien sûr eh bien qui c'est ça nourrir les gouvernances là en ouais qui ça nous ka apprendre le type de programme ça qui développer Équateur Colombie grand programme qui développer crele tout la horizonte de esperanza donc programme ça c'est un programme qui est un support CEPAL et son programme réellement yo ouais comme un exemple d'innovation sociale en Amérique latine. Mexique gagne un programme de gouvernance locale yo rele el acuerdo de San Gervasio donc l'accord de San Gervasio donc ça sont leur programme qui développé et Mexique que nous ka apprendre de li et me parler de Salvador qui c'est yon exemple nan sa nourele Salvador a la dit yon un bel programme qui développé et Salvador qui gen pour avec développement environnemental li pas fait avec yon commune li te fait avec plusieurs communes non zone bien spécifique c'est là ça yo appliquer concept mrele et man communidad la Salvador que dominicain yo essayé faire ça tout dans zone sud et de faire tout le travail sous San République Dominicaine et nous capable apprendre de tout programme ça non seulement dans des communes spécifiques mais nous capable apprendre l'idée association en tout gens li développer République Dominicaine avec Salvador voilà et moi bay et gros l'idée générale ça sur programme ça yo donc me pense que c'est surtout ça me veut dire parce que tout ça me parle c'est toujours et Amérique latine, c'est toujours Caraïbes là. Et faut moi dis nous, et travail n'a fait la li fondamental. Et dans pays Caraïbes, il y a un problème yo ouais, un sérieux problème d'innovation sociale, un sérieux problème de même d'entreprise yo, un sérieux problème côté que formation pas adapté à la réalité. Donc nous même là, on pense tout bon vrai, c'est nous une approche théorique mais qui est déjà a atterri qui déjà en application avec travail n'a fait avec Mério. Non seulement vini là pour nous wè qui ça fait de l'autre côté, qui gens nous capable apprendre de ça fait de l'autre côté yo et tout, li important pour moun yo comprendre conceptuellement qui ça bagay yo vle di et qui résultat ça capable ba yo. Pense que ti introduction ça capable servir yo, nous là pour nous prendre trois questions et la façon nous capable pour nous et orienter moun yo dans travail ça. Nous là toujours pour ça aider comprendre aider développer une nouvelle opinion publique en Haïti dans sa rapport avec économie, administration publique et politique. Merci. Merci et professeur Awol et merci pour exposé magistral ça et que moi-même personnellement moi apprendre en pile de ceci et me capable dire même bagarre à tout le monde qui a suivi live, le monde qui a fait commentaire, monde qui déjà posé plusieurs questions et sans plus tarder nous parler dans question yo. Et donc question là qui est vraiment vraiment important et juste avant de poser question à professeur même je n'ai pas parlé de solutions nous supposé venir avec des solutions innovantes me penser que venir avec des solutions innovantes c'est parce que déjà problème yo innovant elle me dit problème yo innovant elle dit peut-être un problème que ou qu'on a fait et face ensemble avec lui ailleurs donc c'est pas même problème ça ou des problèmes ça présenté sur l'autre forme. Donc, puisqu'elle commence à présenter son autre forme, donc l'important qu'on y a là, si on va proposer une solution, donc quand même, il faut une solution innovante ou présenter son autre forme tout de façon à ce qu'on soit capable et puis bien aborder résoudre le problème-ci là. Donc, question ça,
Je vais le poser. Hein? Et c'est un jeune là, et en bas live, là, alors live Facebook là, qui pose question. Il dit si, puisque nous-mêmes, il y a pile là, nous, dans jeunes qui suivent live là, nous habitons dans des communautés reculées. Et comment nous capables d'innover socialement pour résoudre le problème qui nous fait face dans la communauté, nous, malgré les contraintes que nous avons fait face dans la communauté? Ok. Basé son belle question. La première chose, répondre à la question, ça, yo, pour moi, pas contradictoire à ça, m'a dit là, yo. Moi, abaye des pistes de solutions, même pas qu'abaye solution, parce que approche gouvernance dit que solution yo, c'est des solutions partagées et réfléchies par un groupe, par différents acteurs. Moi-même, moi, son seul acteur, c'est sûr et certain, c'est membre d'une organisation jeune professionnel qui est NAPSA, mais. NAPSA pour qu'on t'aide pas, pas t'aide pas ces solutions. Banj non plus pas ces solutions pour qu'on t'aide pas. C'est ça que fait Banj, à travailler, à fait accompagner et organisation ça yo. Et mairie ça yo. Alors, ma baye piste de solutions. Premier bagaille qui pour fait, pour malgré contrainte, son mot fondamental nous dit là, malgré contrainte, nous résoudre problème n'a pas fonté dans différentes communautés, même si nous pas un problème spécifique, bon premier bagaille qui pour fait. Premier bagage qui pour faire là, faut nous constituer nous en acteur. OK? Jeune qui conscient de problème yo et qui pense que yo capable aborder yo, faut nous constituer nous en acteur. Pour qu'on tout d'abord, pour qu'on tout. Sou pense problème non ou entrer en contradiction avec approche anthropologique nous dit là, moun a supporter ou l'ali wel c'est parti solution. Sou pa ton solution balil pa tando. Fòk ou di mon problème nou gagne ki jan nou kapab pense. OK? Ça c'est un premier approche. Deuxièmement, donc là ça ou vin yon acteur ou développer acteur pa individuel, acteur communautaire, ou organisation quelconque nou mette sous pied, ki kapab formel, ki kapab pa formel, ça son premier approche. Deuxième bagay ki pou fèt pou nou joindre et d'ailleurs ou pas qu'à résoudre aucun problème, son bagain fond. Et financement, ça, si ce n'est pas ou même cap général, si c'est ou même cap général propre fond par, la difficile pour avoir l'argent en individu, c'est toujours à une institution. Donc, d'où la nécessité pour nous et institutionnaliser nous. OK? Ça, c'est un bagay. Mais tout, même pour résoudre le problème, ou qu'à commencer à penser à générer propre fond par, et pour générer propre fond par là, faut que c'est une solution qui font ça, faut ou penser tout comme une solution pour résoudre, pour consolider l'institution, mais pour participer tout dans solution problème. Donc, tout d'abord, c'est constituer nous comme acteurs. C'est pour les bagages qui vous faites. Deuxièmement, c'est où est tout qui ressource nous gagner dans l'espace noir. Fort souvent, nous pensons que pas gagner un espace noir, c'est faux. Gagner ressources dans l'espace noir, ouais, qui ressources nous gagner en dans espace noir pour nous commencer solution. Lorsqu'on identifie ressources par là, elle ne doit pas suffisante. Laisse ça, on va chercher l'autre ressource. Mais c'est pour identifier tout d'abord ressources ou gagner dans espace par là. Ça, c'est deuxième bagaille. Troisième bagaille. Quel que soit problème ou après résoudre là, le plus simple possible dans démarche question projet yo faut ou est qui impact li pral gagner à long terme. Si ou pense impact à long terme, ça ou mette sous pied a faut c'est yon institution durable. Pas réuni deux trois moun pour nous mettre wash dans on labou et puis problème nan résout. Non. Son mette wash dans labou problème nan résout, li résout pendant qu'on y a la pi pa tombe encore. Mais le lab libéral tombe encore, problème ça a l'abtourné. Et mais si problème n'a abtourné, qui ça qui vient pour faire? Jeune ça a pour dire, bon voilà, nous mettez comité ça sous pied, nous remplis route là, nous joignons et de nous joignons de trois camions de mettez wash. Et bien, quand y est là, faut nous, si est-ce que gros machine a passé, si gros machine a passé, gros équipe moun qui l'a cap observé, qui vous dit, bon voilà, nous pas besoin pas passer, mais si vous passez, faut l'on passe tout,
ou elle a gen 3, c'est au capote wash pour nous, pour mettre la dan. Et puis, laisse à tout nous identifier qui moun qui pral et sable là. Mais nous faisons graduellement. Là, on a dit un problème nous en Haïti, ou tu as fait, n'a pas d'administration publique, tu as fait route là, après 3 ans, route la crasé parce que pas gen un maintien de route là. Or, nous-mêmes, qui remplissons Malabou avec wash, nous capables d'organiser nous pour espace ça plus jamais pas tourner en route impraticable encore. Donc, un, constituer tête nous en acteur. Deux, identifier propre. Trois, identifier qui impacte ça pour gagner. Maintenant, logique, travail ça, son travail en affaire gouvernance locale, entreprise sociale ça, organisation de jeunes ça, là toujours en dialogue avec et autorité locale yo. Donc, surtout dans le pays d'Haïti, ça importe en pile, gagner méfiance, jalousie, etc. Il est toujours bon pour nous en dialogue avec non seulement autorité locale, yo, autorité locale, dans le sens gouvernance, c'est autorité publique, mais dans la zone, j'en ai dit en Haïti, il y a des notables, soit faire des activités non communes, il faut qu'on chita parler avec yo. Peut-être PA, pasteur, et mon nan zone nan que reconnaît comme un leader et me faut qu'on chita parler avec mon sa auto pour capable gagner sans ta capable rele laisser passer et même appui mon sa yo et pour on bagay ki pi important tout identification mon sa yo travail va faire. Donc mais quelques éléments général moi ba nou pour quel que soit problème nous voulons aborder ya. Alors si gen problème spécifique on ka essayer ba nou tout dans la mesure du possible réponse beaucoup plus à spécifique mais ça son rapport général k'ap servi. Merci professeur pour répondre. Et pendant que vous avez parlé de participation et mon ou bien différents acteurs dans la communauté, dans résoudre problème communautaire, et bien nous avons Germini Saint-Élevé qui posait une question comme ça. Il dit participation c'est un pilier. Est-ce que ça veut dire plus nous impliquer citoyens avec différents acteurs dans le processus prise de décision, il y a plus de chances pour nous aboutir? Ça, c'est le premier volet question. Mm-hmm. Est-ce que ça veut dire plus nous impliquer citoyens avec différents acteurs dans la communauté, dans le processus prise de décision, il dit que est-ce que il y a plus de chances pour nous aboutir avec le projet? Ça, c'est le premier. Et deuxième, dit qui mécanisme consultation qui a fait avant prise de décision? Quel mécanisme? Quel mécanisme consultation, c'est ça? Oui, oui. D'accord, très bien, très bien, très bien. Et m'bral ban nou réponse concret pour chaque volet question ça. Et même si m'wè konèt premier exemple là beaucoup plus concret. En Amérique latine, président Lula, qui s'est membre le Parti des travailleurs, au Brésil, c'est une rare partie en tout pays d'Amérique latine qui gagne une structure de base très bien organisée. Brésil, qui ça fait jusqu'à présent Lula dans la prison et Merkel Rousseff pas là encore, qui ça fait parti ça toujours fort comme ça? Il y a un travail qui a été fait, c'est vrai, mais le peuple n'est pas tellement reconnaissant dans aucun pays. Et mais ça qui fait là, c'est une base, parti ça a créé, qui baille au pouvoir, mais qui permet de consolider le tout. Donc, travail de base là, li fondamental. De pour impliquer moun yo au niveau le plus bas dans le processus, la bon pi bon résultat. Si ou gagne une activité ou a fait ou camper en l'air, j'ai dit dans Haïti ou pas atterri, c'est pas même bagaille. Faut ou adjoindre même communauté qui pi bas, c'est dans niveau ça mon n'a pas senti parti prenante de projet a, et c'est là ça nous pral joindre bon genre résultat. Donc ça veut dire que l'en a fait et route ça par exemple, si par exemple route là, peut-être que même si ou al ou pa al nan kay yo pou mande moun yo l'argent pour acheter sable,
Mais Wall Street a parlé avec yo pour dire yo mon problème nous on a essayé résoudre li. Par le fait qu'on mette au courant seulement moun sa yo yo senti yo partie prenante de projet. Donc tant qu'on implique moun yo plus parce que yo tande yo. OK? Tant qu'on implique moun yo plus, et men wap jwenn pi bon résultat surtout au niveau local. Et il réduit coût oui parce que il réduit bureaucratisation. Il réduit question bureaucratisation, donc il réduit coût projet à tout. Et nous déjà ouais pral bon puis mon résultat. Ça c'est un bon exemple Lula Brésil et un exemple parce que parti Lula c'est réellement et faut moi tout dire nous ça parti politique et yo well comme entité gouvernementale mais en réalité parti politique je ne veux dire plus entité gouvernementale théoriquement mais parti politique l'était une instance organisation société civile tant que toute organisation société civile par exemple des droits humains c'est comme ça le commencer avec la seule différence yo gagne objectif ou prendre pouvoir mais c'est comme ça le commencer jusqu'à présent un parti politique qui solide il supposé bien ancré en dans société civile là donc exemple moi banois c'est un exemple parfait qui répondent à question de pas même théorique de façon pratique. Qu'on y est là. L'autre partie question c'est qui mécanisme que nous avons utilisé. Bon, là il est beaucoup plus compliqué et gagne un philosophe allemand, sociologue, philosophe allemand, Allemand Habermas qui parlait en pile sous participation politique. Qui parlait de participation politique, pas participation politique, pardon, il parlait de délibération, il parlait de délibération, donc processus de délibération, qui gens qui ont participé dans le dialogue, là, il y a avec leader initiative. Là. Leader initiative, là, supposé gagner perspicacité, supposé gagner capacité pour le saisir, pour le qui méthode qui est bon, parce que plusieurs études qui fait aux États-Unis montrent que des fois moun yo di yo vle participer mais yo pa vle participer vrai yo préféré que c'est autorité qui prend décision pour yo donc faut nous wè à qui tout d'abord faut que des moun yo impliqué yo mais faut wè l'on développer projet nan ki niveau moun yo ye pour connait nan ki niveau ou pral tann implication parce que si on culture de participation pa gagné autant d'implications au niveau qui trop élevé ou ka frustré parce que ou pas prêt pour ça donc là ça ou ka ba une participation moyenne parce qu'on parle de participation totale parce qu'on y a pas impliqué au vrai ou ba une participation moyenne projet ça va résultat ou fait ça comme relé ou tenir compte de impact ça va gagner pour quelqu'un institution et puis progressivement yo pral wè nécessité pour impliquer premier bagage faut ouais dans quel niveau moun yo ye pour connait qui type de participation yo vle parce que yo pas nécessairement vle participation totale et complète j'en noté qu'à penser là donc c'est gain perspicacité pour saisir psychologie moun yo pour voir qui type de participation yo capable gagner pour projet réussi. Merci Awol. En parlant de implication implication à plusieurs niveaux même si plusieurs niveaux si n'a prend et niveau et en participation communautaire participation moun yo dans communauté a et participation tout l'État, même si l'État peut être l'État central ou bien l'État et au niveau local tout, et il y a quelques problèmes qui sont posés et ceci ça conduit une servir comme contrainte pour jeunes qui a et fait différence dans la communauté ou pour jeunes qui a fait effort venir avec des idées pour résoudre problèmes communautaires problèmes qui a fait face dans zone. Et bien il y a Jude Lalanne qui posait question ici là. Les initiatives sociales yo pa ta doué dans compétition ak initiative publique yo. Au contraire, yo ta doué rencontrer plutôt pour yo tourner partenariat public privé. Mais pi fort initiative privée qui gen aspect intérêt public, autorité l'état yo souvent wè yo comme menace et pas souvent accompagné yo et au contraire combat yo dans souci pour moun pa fè capital politique yo. Qui conseille ou te kap bay yon moun ou swa yon group moun ki gen yon projet pou edel fè autorité yo akseptel et même soutenil. Parce que ça son question fondamentale qui atterri en pile et qui extrêmement complexe. Mais la essayé combiner administration politique économie pour nous voir qui réponse et nou te kap bay a ça. C'est pi gros défi. Lòk on initiative gen moun tout naturellement qui gagne ce penchant pour le social, qui gagne ce penchant pour les entreprises sociales,
Mais nos pays tant qu'au Haïti, par le fait que la politique, c'est l'échec total, et si ou même ou venez avec un bagage qui a bail résultat, ah, ou son menace, et réellement son menace. OK? Du point de vue de la compétitivité ou son menace, ou de la compétition, pardon, son menace. Donc, qu'on y est là, m'a pas pris bon, toute théorie qui s'est fait, et secteur public là, pas bail résultat. Seulement, m'a le penser et de ouais, quelle stratégie pour projet par là, politicien, yo pas échoué, pas fait échouer. Premier bagaille, c'est joindre une formule pour neutraliser l'ennemi. Neutraliser, mais attention, avec sans machiavélisme, avec sérieux, sans naïveté, mais avec sérieux et sincérité et transparence. Qui ça veut dire? Second projet, on va le faire. Eh bien, ou est qui gens ou capable de joindre autorité, yo, mon ou pense qui va le craser, yo, pour au moins ou expliquer le projet, c'est la première démarche. Mais, nous ne pouvons pas être nous dit, Haïti, son pays, qui jita son méfiance. Donc, si ou son parfait inconnu, ou à l'expliquer une autorité publique, député, sénateur, non, zone magistrat, cobra le fond projet, pas qu'on est, c'est tête ou mener l'abattoir. La prase pour cher. Et bien, ça, joigne une formule, yon moun qui de confiance, moun sa, qui connaît en tout, qui capable établi pont pour vous. Laisse ça, capital social, nous t'a parlé, à relation ça permettre que moun sa li capable accueillir. OK? C'est, et ça pour qu'on ait démarche politicienne à quatre sciences politiques, c'est normal. Par le fait que les grandes entreprises, entre guillemets, politiques, qui très, très, très peu compétitif par rapport à l'entreprise sociale, par la kabay, bon, j'ai résultat, et mais tout le monde peut l'acheter dans la main, tout le monde peut le projet par là. Autrement dit, demain matin, moun sa quitte social, al fait politique, ou peut le faire, et dans 100 votes, ou a fait 99, l'autre la fait youn, s'il fait youn. Donc, que son menace, c'est vrai que son menace pour yon. Parce que l'approche, il faut que vous très technique et scientifique pour vous pas moraliste. Donc, quand il y a assez, ouais, qui ont établi un rapport de confiance avec Mounsa qui voit comme menace là. Ça, c'est le premier bagage. Et l'autre bagage, tout, et là, il est compliqué, c'est peut-être si son politicien, que vous ne reconnaissez pas comme un corrompu, si son politicien, la seule chose qui n'a pas de résultat, mais il n'est pas mauvais. C'est ouais peut-être même qui Jean qui est extrêmement compliqué qui Jean ou t'es capable de faire sentir le parti prenante sans que projet ou là et identité le pas perdu parce que Haïti ouais une question complexe en pile permettre aux politiciens parti prenante premier bagarre là ouais comme secteur politique là pas exister en Haïti c'est qui capital politique là vers ce projet là il pas ouais comme un projet de long terme mais elle a bénéficié de lui et puis il détruit le projet. Il quitte en fait, mais il détruit la main parce qu'il fait le tourner capital politique. Mais en résumé, c'est une formule. Côté et politicien, ça, il est capable, quelque part, d'identifier un projet là et tout pour mettre la confiance. OK? Je pense que c'est la meilleure approche pour ça. OK? Et si il y a quelques bénéfices ou elle ka gen la dan sans qu'on pa perdre identité au bali yo OK donc c'est approche ça mais ça m'a dit là c'est réellement marcher sur une ligne parce que c'est extrêmement complexe mais pas gen l'autre approche c'est tout d'abord mettre moun nan confiance et développer rapport de proximité avec lui mais sans qu'on pa perdre identité projet là m pense c'est surtout ça ou capable gagner comme approche pour ne pas perdre ça. Mais, toute gymnastique, ça m'a fait me répondre à une question, c'est parce que c'est en Haïti, nous y est. Si c'est de l'autre côté, même la République dominicaine, ou bien l'autre pays dans la région, nous avons posé problème dans l'autre façon, et nous avons beaucoup plus simple pour résoudre, parce que le secteur politique a un résultat là-bas. C'est parce qu'en Haïti, le secteur politique n'a pas un résultat là-bas, et il y a une politique là tout seulement comme un business pour faire comme
à quelques exceptions près, ou capable de venir l'autre politicien qui parle comme ça, mais de façon générale, c'est comme ça, ça y est. Donc, c'est problème, c'est crise du secteur politique qui pose problème dans le pays d'Haïti. Voilà. Merci, professeur Harold. Moi, je juge vraiment, vraiment important pour nous donner une bonne réponse comme ça, et concernant l'implication ou bien des capables de implication jeune dans la communauté, dans la zone, qui veulent faire une différence, mais en pile fois, soit des politiques et des politiciens qu'on voit comme menace. Et ceci, je pense que je ne réponds pas à vous, partager ensemble avec vous. Donc, ça aide vraiment pour qu'on ait plus bonne stratégie, mais qui mieux est stratégie de capable et atterrir ensemble avec le projet dans la communauté. Et n'a profité de dire que ces jeunes discussions, c'est connecter l'innovation sociale avec la gouvernance locale. Et l'autre monde qui a suivi nous sur live Facebook là, et ou bien sur Zoom là, nous capable poser question en bas et page Facebook Bange là. Et parlant de approche innovative et gouvernance locale, professeur, pourriez-vous proposer une solution innovative et simple pour les reboisements? Question ça nous jeudi dans Zoom là. OK. Bon, question ça allait direct lui-même bon, je participe dans un autre programme de reboisement en Haïti. Je participe tout dans le programme de reboisement à un certain moment. Je suis étudié en République Dominicaine et travaille tout. Et là, ça, c'est son bel exemple. Ministère Finance, République Dominicaine, a participé dans le programme de reboisement avec quelques communautés dans la zone qui est San Cristobal, dans le sud. Je participe dans le Baray Sato. Qui donc, tout d'abord, c'est. Bon, au niveau, si c'est dans le cadre association ou bien man communauté, j'en ai dit là, si c'est dans le cadre ça, et au capable ou grande surface, et mettons une zone ou région, mettons une organisation jeune et une association jeune capable de dire, bon, yon vle bay un exemple de reboisement. Eh bien, nous dit, bon, voilà, m'a connaît combien de carreaux de terre que nous allons reboiser, et ou bien une petite zone, une petite surface que nous allons reboiser. Tout d'abord, c'est identifier zone, non? L'offre identifier zone là, c'est la même méthode, je vais vous expliquer nous là, processus méthodologique là, c'est faire acteur dans zone là, ouais, importance, reboisement, et pour yon identifier à ça. Parce que nous déjà qu'on est depuis, on va identifier à ça, c'est un programme politique qui a fait là. Donc, c'est tout d'abord, il faut acteur yon partie prenante de projet là. Même si c'est tant de autant de sol, mais yon dit, en jeune, ça va combattre à yon fait l'intéressant. Mon jeune, yon discours pour convaincre yon. Et puis tout, projet ça, avant même on commence, c'est pour ta essayer de développer des rapports avec autorité dans la zone. Et politiciens qui parlent comme menace, toute l'autre autorité, yo, pour au moins yo reconnaître jeune ça au combat y a fait. Parce que depuis yon paraît, même si l'intention bon, y a peur, raison en simple, yon va rien à régler, on même on vient faire un bagay, du bon, ou pral beaucoup plus compétitif que yo. Donc, faut que nous gagnions ça comme stratégie pour projet yon pas échouer. Donc, il y a un travail qui pour faire du point de vue de ce que j'appellerais, si je suis le conseil entre guillemets, social, ou à rencontrer mon yo, ou parler avec yo. Il y a un travail qui pour faire du point de vue administratif, c'est identifier le problème, non? Et puis, l'infini d'identifier le problème, non? Ouais, bon, qui peut bon planter, et un projet. Et ensuite, ouais, qui côté nous va faire un financement. Et pour programme non financement il capable pas nécessairement bon capable support nous t'es capable dire capable comme yo pral baou il capable tout pied bois yo pral baou il capable expert yo pral mettre à disposition pour faire travail ça mais ça pas ko en rien ça qui est important dans tout samedi là tout le monde connaît fort grand projet tout le monde connaît fort grand l'argent tout le monde connaît fort grand ressources pour faire n'importe projet mais dans cadre reboisement ça dans quatre pays d'Haïti il y a deux barrages qui est important c'est autorité au courant pour gagner confiance c'est tout acteur dans zone là pour identifier un projet donc faut parler avec eux communication stratégique avec que tout ça on d'ab dans théorie yo gagne mise en application yo. Et ensuite si vous pas faire ça c'est laver mes souliers à terre le suivi donc là vienne planter pied bois en dans projet à faut connait qui gens pour prendre soin yo qui gens pour arroser yo et ensuite même un impact à très long terme qui j'en ouais sur face ça m'a connait et tout qui dépendamment des types bon à planter et cetera et puis après ça projet ça tout même pour protéger tête tout et bien
Là on fin gen confiance moun yo, projet a marché, eh bien ou capable dans même ça m'rele communication stratégique là. Fè l'autre zone commencer connait, une fois l'autre zone commencer connait, projet ça li vinn gagner on support. Nous t'es capable dit même régional ou national, moun pa pa craser même gens encore parce qu'il gen support ça. Donc question ça yo pratique, nous voit comment yo difficile pour me ba une réponse 100%, eh bien c'est parce que ça montre importance question. Même passé en général, ça m'a dit là, c'est où on a utilisé comme méthode pour question reboisement. Et surtout, tout identifier avec expert, qui pied bois pour nous planter dans telle zone, capable qui capable grandir dans zone ça, et qui capable nous trop travail pour nous prendre soin, c'est surtout ça. Mais, on conseil général, dans le reboisement pays d'Haïti, si nous sommes capables de planter fruitier là-bas, parce que non seulement la résoudre le problème reboisement, mais le résoudre le problème manger tout. Merci beaucoup, monsieur. Et en parlant, le temps fin de commencer la présentation, il y a un ouvrage qui a été cité sous gouvernance, il y a Idriss Nouel Jeune qui m'a demandé une référence pour voir ça. Bon, c'est ce qui est intéressé. Ouvrage classique gouvernance, c'est une série de textes mondial écrit. Il y aurait les good governance en anglais. Par contre, si vous traduisez en français, peut-être que vous traduisez en français, mais c'est good governance. Ou abjoigné the Royal Bank Experience. Ou abjoigné sur Internet. Là, c'est que la good governance, Royal Bank, ou abjoigné sans problème, ou abjoigné texte de référence. D'accord, merci. Et puis, si vous n'avez pas l'espagnol, vous pouvez chercher un pile tout en Brésil, document Brésil, vous en espagnol, tout Brésil. Ou ka chache gouvernance locale Espagne, Barcelona, ou abjouen ou équipe document sous ça. Mais classique là, c'est Good Governance of World Bank. Allez-y. L'autre question qui nous gagne dans Zoom, non? Et il dit que qui jamais yo ka identifié potentiel économique zone yo ou yo pas dépendre de l'État central? Parce que ça, son question assez intéressant. Mais yo pa ka fè travail ça sans réellement gouvernance locale. OK? Mais yo pa ka fè travail ça, c'est les mairies yo tout commencer ouais qui j'ai entreprise sociale yo capable accompagner yo parce que les ça y a ka gagner beaucoup on rentrer qui beaucoup plus élevé. Travail qui vous fait, c'est pour mairie à identifier différents secteurs de production et de services dans zone hôtelière. Pour ça, on a besoin d'experts, naturellement. Il n'y a pas d'experts qui existent, mais on a besoin d'un monde technique ou technicien qui pourrait nous comprendre ça. Différents secteurs de production et de services. Et en fonction de zone, différents, ça nous est capable de secteur potentiel. Là, on finit d'identifier différents secteurs, on peut aller à port, yo. Mais on peut aller tout, est-ce que vous arrivez à un niveau optimal là? Donc là on va arriver dans le niveau optimal là on va voir qui sont capables de développer secteur ça. C'est travail ça qui vient pour faire. Bon, théoriquement rien tout en bagarre pour développer qui est les principal component analysis pour développer dans question politique publique etc. sur bagarre ça ou bien data development donc type de méthode ça qui permet ou identifier potentiel chaque secteur. Et en fonction de ça, on va identifier pour faire chaque secteur avec l'entreprise sociale, par exemple, ou bien même le secteur privé, nos partenariats public-privé, pour nous voir qui gens, et au niveau local, par exemple, qui gens ont partenariat public-privé, ou du moins, qui gens entreprise sociale, yo, capable d'aider à développer communauté, à développer zone, nan, et les, l'État va gagner beaucoup plus rentrer. Parce que entreprise totalement publique, yo, théoriquement, ce n'est pas eux qui comptent plus bon résultat. Partenaire public privé supposé pas plus bon résultat, à moins que le secteur ça est nécessaire pour ces entreprises totalement publiques. Donc, mais tout d'abord, c'est ça, c'est identifier différents secteurs de production et de services et qui niveau de développement chaque secteur et ouais, qui ça prend pour nous développer. Je pense que c'est approche ça et pour nous gagner. Et nous capables de faire une approche et nous sommes capables de dire. Par ratio, donc, mais niveau lié, mais niveau ta supposé, ou du moins, nous avons une approche comparée. Telle zone et telle commune, on nous dit Cavaillon, moi, Cavaillon,
qui t'assemble avec commune Pamna, garder dans niveau cavaillon développé, mairie a développé, zone dans développé. Donc ba moi ouais moi-même qui ça manque qui fait pas dans niveau cavaillon. Laisse ça nous font approche comparé. Donc à utiliser tous les deux méthodes yo et ça permet nous développer, découvrir potentiel commune. Autre question que nous gagne qui dans et qui sur Facebook, c'est Baptiste Pierre Marc qui pose lui qui dit que félicitations à Oel Joseph. Et la gouvernance locale a des enjeux considérables pour le développement local. En ce sens, comment la gouvernance locale facilitera la prise en charge des différentes ressources de la communauté? Bon, ça l'a dit là, parce que c'est idéalement, c'est que il y a différentes entreprises sociales, il y a différentes organisations qui travaillent sous des problématiques spécifiques dans la communauté. Gain cap travail sur question fatra, moi même des travail dans projet m'ta penser m'ta travail là m'ta penser un projet l'aime de faire gouvernement ouvert dans OEA 2016 m'ta penser un projet pour résoudre question fatra dans ville Amérique latine. C'était moi même qui était là-dedans. T'es gagné un brésilien qui gagne tout on cap travail dans tout un ONG sur ça et qui est le Peda Silva ou pareil comme ça. Et ensuite tu gagne un argentin qui t'a travaillé là dans nous trois nous t'a essayé penser qui gens nous capable aider résoudre question et gestion fatra dans région et surtout au niveau local. Donc c'est identifier différents secteurs tout problème yo gien monde qui pense yo. OK, et on pense c'est premier bagage qui pour faire dès que nous identifier secteur yo monde qui pense yo. Et puis vinn gagne un rapport entre public avec privé parce que c'est comme ça nous capable identifier disons potentiel yo. D'accord, professeur. Et l'autre question que nous gagne qui sur Facebook, alors moi ça pose des questions sur démarche spécifique qui mène ou qui aboutit avec innovation sociale. Donc moi ça un petit genre il dit des démarches bien spécifiques qui aboutit avec innovation sociale. Bon, démarche spécifique, c'est livre les démarches spécifiques qui aboutit à innovation sociale. Et cela veut dire que moun nan reconnaît que gagne organisation qui existe déjà, gagne entreprise sociale qui existe déjà. Ça c'est pour, si on pas existe, nous pas capable innovation sociale. Dès que existe, mais innovation sociale là, li fait à trois niveaux, j'aime ça dire là, bon, gagne 5 mètres plus important yo, li fait au niveau de la problématique qui vient de poser problème yo li fait au niveau de la coopération entre entreprises yo avec gouvernance locale là et li fait tout au niveau de la communication stratégique de la communication que nous relé communication stratégique ouais qui gens nous capable innover qui a démarche qui pour fait pour aboutir à innovation qui pral ou innovation sociale. Et m'pa bay tout l'autre détail même parce que mon ça il pose une question peut-être beaucoup plus technique. Identifier un problème, chercher une façon pour résoudre, identifier un problème, chercher une façon pour résoudre, ça c'est me pense que c'est deuxième pas. Et tout d'abord, l'innovation sociale, il pas on va individuel, il gagne organisation, il gagne autorité locale yo impliquer et organisation et autorité locale yo là-dedans parce qu'on a parlé d'innovation sociale, il faut créer confiance et joindre la méthode la plus simple techniquement parlant pour résoudre. C'est ça nous est l'innovation sociale. Donc on y est là, qui méthode est la plus technique, ça a son problème bien spécifique pour nous poser. Et là ça on va comme bien toute réponse surtout. Mais c'est sûr et certain, soit parler de innovation sociale actuellement, nous pas qu'à me penser que un élément qui presque indispensable c'est TIC, les nouvelles technologies parce que yo fondamental pour question innovation hein, parce que yo permettent et facile communication entre acteurs yo avec société a yo permettre communication facile entre société civile avec autorité locale yo la question gouvernance là et yo tout yo c'est des éléments qui permettent nous mieux poser problème yo. Par exemple yon nan bagay que yo travaille en pile dans programme gouvernement ouvert dans OEA, c'est gamification. Donc
gamification, je dis en espagnol, en français, c'est qui ont utilisé les jeux, par contre, je dis gamification en français, c'est qui ont utilisé les jeux pour résoudre une question, une série de problèmes sociaux, okay? toute série de jeux. Donc, ça, son approche technologie à bas, donc nouvelle technologie, il y a toujours un élément de base dans l'innovation sociale, par exemple. Je pense que c'est ça. Mais qui problème spécifique, c'est sûr, certain, pas qu'on solution problème spécifique parce que ça m'a dit tout un dépêche technique personnellement pour me faire pour ça. Et moi, je travaille surtout et gouvernance, je travaille en pile question administration publique nouvelle, la nouvelle administration publique, new public management. Je travaille en pile question gouvernance et en pile question gouvernance locale, mais je suis un homme, comment? Gagné en pile l'idée sous innovation, mais m'a expert dans l'innovation sociale. Si je suis expert, c'est la question de gouvernance et ensuite la question de gouvernance et gouvernance locale qui vient pour avec décentralisation. Donc, ça, son détail pour moi est précisé. Et nous avons des nouvelles jeunes qui demandent est-ce que gouvernance locale ne prend pas en pile temps pour implanter parce que la majorité de monde dans la région pourra demander pour mettre à niveau. Et parce que ça sont belles questions qu'on a posées et c'est ça que fait moins dit identifier aux sociaux et gouvernance locale là pour mettre mon niveau à niveau et pas quoi problème ça yo il pas nécessairement au niveau intellectuel au besoin il y a une conscience qui développe quand même c'est pour y parler là une conscience qui développe quand même pour connaître nécessité problème yo et là me dit al parler avec mon yo non parler avec tout le monde qui est analphabète toute qualité monde. La seule chose en conscience qui développe la caille, ça c'est le premier bagaille. Deuxième bagaille, c'est identifier you know, l'autre monde qui est capable de participer. Tout naturellement, nous gagnons de faibles moyens en ressources humaines en Haïti, si tout ça qui est une question technique. Mais tout dépend de problèmes qu'on va résoudre là. L'IGN doit pas demander un pile ressources, j'en ai pensé. Tout dépend du problème nous pas résoudre là. Nous autres, par exemple, question route là. OK? Ça, c'est un problème clair que nous sommes capables de penser problème ça. Ou est-ce que j'en ai capable de résoudre tout? Par exemple, si vous voulez utiliser cette technologie, il y a un monde qui doit seulement y a passé, il y a route la crase, il y a plein de l'eau. Eh bien, ils font photo, ils voient le bail groupe et puis ils reposent le problème. Non, bon exemple qui simple. Donc, cela veut dire que tout dépend du problème. Nous n'avons pas besoin de gros moyens pour résoudre. Cependant, si on va être clair, c'est question de mentalité. Parce que ce n'est pas vrai que au niveau de la gouvernance locale, au niveau des autorités locales, si pas un bon travail d'accompagnement et de formation préalable qui fait, que vous pouvez attendre une organisation de jeunes qui dit nous voulons résoudre le problème ça entre nous. Donc, ça, le problème, c'est surtout une question culturelle qui peut poser. Et là, il y a des formations accompagnées pour yo ouais nécessité pour yo mettre en application toute méthode gouvernance locale ben nous pour résoudre le problème. Léa va avancer et n'a pas remercier chaque monde qui continue à réagir et ensemble avec nous qui a posé question, qui a fait commentaire et nous gagner et Désir Mubenski de Pêche qui est actuellement dans la commune Pêche. Il pose des questions sur qui ça qui est capable d'entraver à venir un projet côté autorité locale pas impliqué. Qui veut dire que il montre qu'il n'y a pas d'intérêt dans le projet. Réponds à la question, moi, s'il te plaît. Excusez-la, ça semble qu'il y a un problème, excusez-moi, ça technique, dans la mesure où j'ai pas les yeux fixés sur les internautes. Je viens de recevoir ce message. Parce que en fait, j'ai en face de moi, j'ai pas le public en face de moi, mais c'est peut-être un problème technique. Mais pas un problème. Vas-y, pose la question, s'il te plaît. Vas-y. Oui. Question dit, qui ça qui est capable d'entraver à venir un projet côté autorité locale ou pas impliqué? Il montre ou pas vraiment gain intérêt dans le projet. Qui ça qui a gâché ou avenir un projet parce que autorité locale ou pas impliqué, c'est ça? Oui, oui, montrer ou pas gain. Elle est claire, donc non, c'est peut-être même question qui pose dans l'autre sens. Autorité locale, il n'y a pas facile d'intérêt dans le projet. Parce que je pense qu'en Haïti, question politique là,
c'est Jean le pose, ce n'est pas un exercice comme service, parce que par un parti politique, etc. Je ne vais pas entrer dans l'exercice politique. Mais, quelques, il dit, ça qui est plus facile, ou vient avec un projet innovant, social, au niveau local, et mes projets, ça, facilement, il y a boycotté. Donc, c'est clair. Parce que tout naturellement, il n'y a pas intérêt qui va développer avec l'autorité locale pour ça. Parce que l'autorité locale n'est pas intéressée à faire. Donc, ou même, si vous t'en faites, c'est vous pour t'en faire, donc vous pouvez accepter pour venir faire vous-même. C'est ça que moi dit que quel que soit le projet social ou à développer, il y a le premier pas, c'est ouais qui gens ou capable de développer une relation de confiance avec l'autorité locale yo. Pour yo ouais quelque part, yo c'est parti pour un de projet ça, mais sans que yo pas prendre projet en amont pour projet avec perdre identité. Donc c'est surtout ça. Mais tout d'abord, ça qui est plus facile, c'est que yo pas identifié au projet parce que on très très réaliste. On parle pour moi dire des bagailles. Et puis après ça, l'énal souterrain, nous, on est cassé, mais nous. Donc, on dit, nous, exactement, Jean-Marie, là, ça qui pique clair, à cause de crise politique en Haïti, à cause de crise de leadership, de parti politique, etc., dans le pays d'Haïti, et secteur qui pi mal, fonctionne pi mal dans le pays, c'est le secteur politique, là. Donc, ce qu'on peut le faire, qui va être en compétition avec eux-mêmes, parce qu'ils sont très, très, très peu compétitifs. Donc, obligé d'intégrer dans le projet, là, pour quelque part, yo bénéficier de compétitivité. Donc, c'est ça. Hein? Donc, si ou pas fait ça, ou risquez échouer. Et l'on échoué a pas dit yo méchant, c'est parce que approche yo a pas qu'à l'autre bagaille. Approche yo a pas qu'à l'autre bagaille. Comme yo pas gagné obligation citoyen yo et pas aussi formé et exigeant pour et ensuite yo pas yo très vulnérable par le fait que yo très vulnérable là yo facilement achetable et manipulable donc bon série de exigences yo et politique yo pas gain qui fait que yo pas compétitif du tout mais si vous venez ou même tendez moi ça ou venez compétitif par rapport à yo normal pour yo chercher boycotter donc pour yo pas boycotter ou pral obligé intégrer cette menace au sein de ton projet. Là, m'boy yon approche comme dazo la, ça nous relè approche force faiblesse, avantage et opportunité et menace. Donc c'est SWOT analysis. C'est peut-être ça pour wè qui j'ont capable faire menace ça, il y a tout un comme suivre sous ça, qui j'ont capable faire menace yo ou capable et neutraliser yo et même si possible faire tourner opportunité. Donc c'est approche ça. Toute question ça mes amis. Sinon pas une approche très très technique. Bien sûr, j'ai fait référence à des philosophes Habermas etc. Mais question ça yo mandé en pile perspicacité, yo mandé en pile compréhension, yo mandé lecture de sociologie etc. Mais tout yo mandé une approche réellement technique dans la question administration. Ça m'a dit nous là, yo, c'est réellement une approche très simple de tout ça m'apprendre dans la maîtrise mon fait dans l'administration publique et avec une thèse sous gouvernance en Haïti. Et avant que nous parlions mettre fin, professeur, en parlant de confiance, j'aime qui pose une question sur Facebook là pour dire que, en pile fois, surtout dans le contexte, pas nous, dans le contexte haïtien, et population locale là ils ont pas fait confiance avec autorité et le fait que population locale n'a pas fait autorité ou confiance donc je me pose la question comment que le capable avancer avec projet il pas pendant que le projet communautaire il voit que si toutefois il implique et autorité locale dans projet peut-être ça capable faire population locale là douter de projet là donc il y a des gens inquiétude par rapport avec méfiance que population locale là gagne et sous et autorité locale donc on y a là venir trouver dans un dilemme côté que li d'accord belle question et pour Ibarra me le dit pour Ibarra qui pour fête ça t'a veut dit que Emba c'est bien content participer dans tu parler ça avec nous ça qu'a veut dire que nous pas ta comprendre pour nous gagner type de projet ça en Haïti parce que gagner un prérequis
c'est un minimum de confiance. Même pas quoi nous si mal, nous ka mettre en application. D'ailleurs, nous mettons en application. Mais, résultat, nous souhaitons bailler, nous ne devons pas bailler. Qui ça qui vous fait? Toute organisation, toute entreprise sociale doit supposer développer un rapport de proximité avec acteur qui travaille avec lui. De manière que, lors pour une décision ça, moun yo kwen an ou, yo pas douter de lui facilement. Qui fait que ou pral gagner possibilité pour dialoguer avec autorité locale yo. Question de proximité, c'est lui même qui pral fait que les ou dialoguer avec autorité locale là, yo pas mettre en question. Mais si ou pas gagner niveau de transparence ça, de proximité ça et de création de ce climat de confiance entre ou même avec acteur yo, ou pas faire ça. Donc premier travail pour faire et c'est ça que fait, songez bien, m'te dit quel que soit travail ou faire, un jeune qui a l'idée, faut qu'on constitue un acteur. Ou pas aller pour contre ou gagner plusieurs l'autre monde avec ou nous font association, nous font organisation à discuter. Organisation ça préalablement pour le travail avec communauté. Yon un travail n'a pas ça essayer faire ce type de travail ça. Non seulement gagner des membres qui constituent, qui établit un minimum de confiance, et bien après ça tout li essayer rapprocher le communauté yo pour moun yo konnen et konnen travail la faire. À partir de ça qu'on y a là, ou gagne un groupe constitué ou travaille avec la communauté. Communauté ça alors un projet d'envergure, bref un projet quelconque qui entre dans logique gouvernance locale là, ou elle parler avec autorité locale yo, les ça communauté a pas mettre en question. Mais ça pas veut dire tout et les ça nous ka penser au leadership de Moïse dans la Bible. Moïse qui t'a mené peuple là, eh ben c'est même peuple ça qui t'est pral soulever contre Moïse. OK? Qui ça veut dire? Ça veut dire que même si vous établissez confiance avec vous, vous une façon pour gagner un rapport pour développer avec autorité locale pour ne pas courir derrière. Et rapport ça, il suppose chita sous maturité. Je ne sais pas si je capable de le minimum de maturité pour gagner la caillou. Pour si vous avez confiance communauté, qui sont gros bagaille, pourquoi les politiciens n'ont pas confiance communauté? En Haïti, c'est zéro. Mais l'autre côté, tout, non plus, confiance, il réduit considérablement. Ça m'a fait tout un coup sous science politique pour me dire qui ça fait réduit. Mais, qu'on y est là, ça passe. Faut que le rapport soit développé avec les autorités locales. Il n'y a pas de projet en amont. Ou seulement besoin de confiance. Il n'y a pas de projet en amont. Ni non plus que le projet, il n'y a pas de projet politique. La communauté n'a pas de projet politique. Donc, faut qu'on gagne une capacité ça pour jongler entre eux. Confiance communauté, c'est pour y barrer pour gagner avec autorité locale qui pour développer rapport avec yo, pour neutraliser yo, pour yo pas tourner ennemi pour yo pas boycotter projet. Donc c'est un type de travail comme ça qui pour faire. Mais tout d'abord, constituer un acteur pour qu'on série de monde entre nous nous gagne confiance en mitan nous et puis travailler avec communauté à pourquoi notre travail va faire. C'est premier pas qui pour faire. Monde et autorité locale yo rapport pour développer avec yo, c'est pour supporter yo et puis pour pas craser projet là. Mais mon nous besoin avant tout c'est société. Et puisque on a parlé d'innovation sociale pour essayer, est-ce qu'on pense ces projets programme Piclan et entrer dans logique innovation sociale? Définitivement. Le peu que nous parlons de lui, je pense que son programme est d'innovation sociale parce que si Bange non travaille la faire la pas accompagner et Mério, il entre dans cadre d'innovation sociale parce que Bange capable aider yo penser, bon, conseiller nous pour nous aider yo penser trois bagages ça yo, pour nous aider yo penser que j'ai posé problème yo, pour nous aider yo penser quel type de coopération à développer entre yo même avec nous et quel type de qui j'ai une question communication, parce que nous ca aider en pile la question communication, c'est que c'est axe fondamental l'innovation sociale là, mais bon l'autre bagage qui est important tout. Et nous dans quatre pic nous obligé faire mairie développer rapport avec et organisation dans zone nan. Et c'est là question gouvernance innovation sociale là pour renforcer parce que rapport qu'a développé a li pas qu'a développer seulement avec nous-mêmes faut qu'il développer surtout avec organisation qu'a travaille dans communauté entreprise sociale etc. Donc parce que c'est surtout travail ça pour nous faire pour me capable dire s'il pas qu'on fait et compléter tableau compléter totalement tableau
et innovation sociale là qui m'a connu avec la gouvernance locale là. Ben non, vérité, si travail ça fait, nous pourrons voir qui Jean figure communauté pour commencer à changer. Nous pourrons voir qui Jean climat de confiance pour commencer à créer. Et nous pourrons voir qui Jean tout vulnérabilité pour réduire. Et c'est base ça qui pourra permettre que Haïti ait l'autre visage, même Jean Mouel dans la question Samri les consolidations démocratiques, etc. L'Embanoulou et le Parti des travailleurs Brésil, c'est tout un exemple national que nous avons observé avec lui. Même Mbanou tout exemple, Man Comunidad, type d'association spéciale ça, dans Salvador avec République Dominicaine, Mbanou exemple, Équateur, ça qui passe au Mexique. Ça aussi exemple, nous sommes capables à l'approfondir et puis avec tout ça là comme approche générale qui est capable de servir pour commencer à atterrir. Et puis bon, n'importe question, tout, vous êtes capable sur Twitter, vous avez besoin de moi, J. Awold Pierre. J. Awold Pierre, c'est contre moi, nous sommes capables de joindre, et puis nous sommes capables d'écrire moi, et sur Twitter, sur Facebook, pour une orientation quelconque, je suis toujours là pour moi aider nous à penser et projet et local, ça yo, parce que bon, n'a pas personnellement travail là dedans tout moins quoi là dedans yo et travail ben j'a fait pour accompagner yo à son travail fondamental moins quoi là dedans yo et me parce que c'est là pour nous commencer pour nous résoudre un problème aussi complexe qui relè et Haïti gagnen yon institution et je me permets pour me citer non gagnen yon institution et tout un mouvement de pensée qui relaient en Haïti Carrefour l'espoir. Donc gien là dans l'équipe mon cap penser toute une série de bagailles qui a essayé ouais qui gens yo capable aider penser projet communauté ça yo dans l'esprit ou l'autre Haïti. On pense que type de travail ça par exemple et type d'organisation ça yo capable accompagner tout projet ça yo pour aider nous et pour aider la communauté à développer. Parce que vraiment, tout bon vrai, administration centrale, là, pas kabay résultat à une situation, à un problème aussi complexe en Haïti. Pas kabay dans notre pays, voire en Haïti. Donc, question gouvernance locale, question innovation sociale, yo fondamental pour le pays d'Haïti. Qui donc, travail n'a fait là, c'est justement ça pour nous faire, pour nous capables de créer, mot ça, c'est avec lui, m'a fini, créer climat de confiance en Haïti. Sans confiance, on ne va pas à aucun côté. Thank you. Merci beaucoup. Je vous remercie Jacques Philippe Estimé. C'est lui-même qui a posé des questions dans le Zoom pour demander est-ce que le programme PIPLAN entre dans la logique d'innovation et sociale. Et bien, vous pouvez nous parler, nous allons mettre un dernier mot pour dire dans quelques secondes. Mais nous avons à peine une question là sous la zone qui dit que pas de trop coordination entre l'État central avec la collectivité dans le pays. Donc, qui j'en vous pensez, un projet d'un coup capable d'aider à limiter le problème ça, et permettre la politique publique de bailler les États. Bon, ça sont l'autre question, c'est tout un autre bagaille. Travail, puis qu'a fait son travail qui j'en capable de connecter gouvernance locale avec question innovation qui vient pour avec qui communauté dans zone yo qui association qui organisation qui travaille avec autorité locale yo c'est ça l'idée gouvernance locale là qu'on y a là c'est n'a pas de rapport gouvernement et administration centrale avec autorité locale c'est tout un autre bagaille qui pas entrer dans ça n'a parlé là cependant on va répondre question pour gagner un rapport entre gouvernance et l'état central avec autorité locale yo faut que tu aies des organisations, je pense que je parle de l'institution tout à l'heure, qui est Carrefour l'espoir, qui a fait type de travail ça. Faut que nous gagnions et ça nous relève en sciences politiques. Faut que nous gagnions, quel est le mot, le concept m'échappe, nous avons besoin de gagner une série de citoyens, si vous utilisez le mot ça, citoyen cognitif, Jean politologue Pippa Norris, professeur de Harvard, et développer concept ça. Faut que nous gagnions des citoyens cognitifs. Ça veut dire que citoyen, ce n'est pas quatre identités qui font le citoyen. C'est que nous avons formation, nous comprenons où il y a dans la société. Donc, faut que nous gagnions des institutions qui font formation pour nous au niveau local. Formation au niveau local, là, pour exiger
autorité locale yo. Leur exige autorité locale yo, donc autorité locale la pral réellement yon pont entre administration publique, administration centrale et communauté yo. Donc les autorités locales yo pa ka bay résultat pa joine de administration centrale réponse là, autorité locale yo pa bien l'autre bagaille pour yo faire que acculer et même accuser devant société a et administration centrale là. En conséquence, yo pa voter yo. Pa gen l'autre façon yon citoyen capable sanctionner et de façon plus directe autorité yo que à travers les élections. Et les ça non pas bien type d'élection non bien là yo tout élection tête en bas bruit vide non pas bien type d'élection ça yo tout et les ça non pas bien type d'administration publique ça donc quelque part seule façon parce que yo bagay qui important c'est ça nous relé les incitatifs qui raison yon mon administration centrale gagner pour la mère d'école dépenser font série de travail que li pa gagner ça va bal aucun résultat. Cela veut dire que si non l'école quitte moi étudier quitte moi pas étudier m'a fait 10 sous 10 pour m'étudier c'est sauf si moi aimer l'école mais si moi pas aimer l'école pas besoin étudier mon administration centrale yo quitte yo travail quitte yo pas travail avec l'argent y a toujours acheter mon yo donc yo pas besoin faire et d'ailleurs là yo pas travail bon pour l'argent dans poche yo donc seule façon pour river convaincre mon ça yo faut population li gagne un minimum de compréhension de questions politiques yo et tout beaucoup plus important dans cas d'innovation sociale là faut que yo gagne capacité pour yo gérer de, générer des fonds qui pral réduire vulnérabilité yo OK et là ça on n'a plus bon passe pour nous faire c'est à travers innovation sociale parce que une série de projets les nous ta garder ODD yo par exemple et ODD 16 là li gagne pour avec innovation sociale les nous garder et type de développement qu'a fait dans communauté yo que ce soit dans ramassage d'ordures que ce soit dans l'idée capable gestion plastique que ce soit dans reboisement que ce soit quoi qui problème communauté yo nous capable résoudre à travers entreprise sociale là la générer des fonds qui pourra rendre communauté moins vulnérable et les ça nous besoin et des institutions tant qu'ou ici à là tant qu'ou nous-mêmes qui pour accompagner yo OK donc on pense que question ça li pas sorti dans administration centrale parce que on pas incitatif pour faire ça l'a sorti en bas donc nous toujours nous ouais encore là nous tourner avec logique bottom up là nous commencer en bas pour nous monter donc et ça nous besoin organisation monde qui comprennent bon peut-être que c'est toujours là pour aider qui pour aider moun yo comprendre non seulement et réalité politique là mais qui pour aider au tout développer des entreprises qui axées sous innovation sociale c'est ça que pral faire administration centrale là n'a pas fait pression sur lui pour bailler réponse mais sinon pour contre pas eux même pas bailler réponse et c'est normal que pas bailler réponse exceptionnellement capable jeune quelques mon administration centrale là qui ont conscience beaucoup plus poussée sociale pour aider mais et science pas faite avec exception ni faite avec règle générale. Merci beaucoup, professeur. Et bon appétit, l'autre monde qui pose des questions, qui fait commentaire, qui n'a pas de chance de réagir sur vous. Et tout à l'heure, professeur Soudbay, plusieurs mois, qui nous capables de rentrer en contact ensemble avec lui, qui nous capables de suivre lui. Et questions, nous sommes capables de continuer à poser, nous sommes assez ouverts pour lui répondre. Nous. Et nous avons mis fin et, ensemble avec un panel de discussion. Merci un peu, professeur. Et nous sommes bien contents de vous. Ils ont 30 à 45 secondes pour vraiment dernier mot pour partager un dernier mot surtout avec jeunes participants et dans programme Piclan qui actuellement yo dans des zones très reculées à travers et en Grand Nord là et 9 communes ça donc on t'a bien aimé que vous partagez un dernier mot ensemble avec yo et professeur. Tout d'abord bonjour merci et félicitations parce que n'a participé n'a pas accompagné projet ça. M'te bien content fait y parler ça parce que ça répond à peut-être ça moi je l'ai fait le monde pays a c'est aider un petit peu à la ce que j'appelle la construction d'une nouvelle opinion publique et donc ça répond à petit travail m'a fait et ça moi je l'ai dit monde qui a participé dans programme PIC là me l'ai dit non et salut d'Haïti
a passé par là. Et c'est chemin qui picoute là. Parce que pas un monde qui est capable de vivre, ça n'a pas un moyen pour le vivre, moyen matériel. Et le programme d'innovation sociale, il permet nous non seulement créer conscience, non seulement créer confiance, mais la permet nous tout créer moyen pour nous améliorer les conditions de la vie, nous créer moyen pour le plus vulnérable. Donc, qui donc, je pense que c'est une plus bon bagaille nous capable de participer, qui permet nous créer bon lien social, bon capital social que tout le monde a besoin dans toute société pour avancer. Donc, félicitez-nous pour l'initiative, ça. Continuez comme ça. Parce que moi-même, tout, je participe non seulement théoriquement, j'aime dire, dans le programme Nora, etc., mais je participe tout du point de vue pratique dans l'organisation NAPSA qui a fait même type de travail. Ça, donc, moi, félicitez-nous pour ça. Continuez. Bravo pour Bange. Bravo pour Irinette qui supporte. Et puis, continuez notre travail. Ça, nous toujours là pour supporter nous. Merci un peu. Merci une autre fois et professeur pour te mettre disponible pour partager connaissance sur ça que vous connaissez et expérience ensemble avec le public et qui t'a suivi live ça. On a remercié chaque monde qui est connecté ensemble avec nous, soit dans Zoom, soit en bas live et Facebook. Benjamin, c'était vraiment, vraiment un plaisir pour moi de modérer. C'était un honneur pour moi, professeur, pour me modérer le panel ça. Et on a rappelé que demain nous gagnons et trois panels encore, un bon panel à 10h et puis un bon autre panel à 1h. Le panel à 1h, c'est pour le leadership avec travail en équipe. Et quelqu'un, c'est pour le bel panel encore qui n'a pas invité nous rester connectés ensemble avec nous pour être capable de suivre le panel. Ça. Et à 4h, nous avons gagné un autre panel sur storytelling avec Petit Deck encore qui est vraiment, vraiment, et vraiment intéressant. Et bon, malheureusement, c'est un panel 10, je n'ai pas fait encore, mais c'est deux panels, une à 1 et une à 4. Restez connectés ensemble avec page Benjelan. Et puis, nous allons partager séance formation ça a, et ensemble avec jeunes qui sont 9 groupes WhatsApp. Yo, et nous connaissons un peu là-dedans qui, malheureusement, pas qu'à connecter parce que problème de connexion Internet, surtout vous trouvez dans des zones très reculées. Et bien, nous faisons en sorte que nous prenons. Et Science Live, ça nous et mettez-le sous format audio et vous partagez sur le groupe WhatsApp là, de façon à ce que vous-même qui n'avez pas une bonne connexion Internet, vous êtes capable de tendre et séance ça, tout ça. Donc, merci professeur, merci tout le monde et nous vous demain dans l'autre panel de discussion. C'était vraiment un plaisir. Merci.